le robot parfait, ça serait que ce serait un robot qui s'occuperait de la pollution, qui essaie de protéger un peu la nature, qui essaie de voler sans aucun gaz. Plus un robot qui aide des personnes. Admettons que t'es malade chez toi, ben il pourrait t'apprendre des choses que t'as pas appris en classe. Qui leur donne à manger aux gens qui sont pas capables de se lever. Ben moi, il m'aiderait à faire les devoirs. Il est invisible, fait qu'il serait à côté de nous, puis on pourrait, admettons, on fait l'examen, puis il regarde la réponse. Maintenant, je vais pas aller m'acheter les vêtements, j'ai fait une liste de vêtements, puis il va tout m'acheter ça. Puis on aurait toutes les réponses, puis on aurait à 100%. Tous les tâches ménagères que tes parents te donnent. À place que ce soit du vrai monde, comme des pompiers ou des policiers qui sacrifient, mais moi, je mettrais des robots là, des grands, avec une capacité sportive plus améliorée pour qu'ils courent plus vite, que ce soit moins dur, pour sacrifier le moins de vie possible.